Salut gens, c'est Firax. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Career Manager, Career Manager avec Schalke 04. En vrai on va rester en semi-pro pour l'instant. Et donc voilà, c'est parti. Ah je suis propre en tant que trader. Et voilà. C'est très long, donc voilà. Alors pourquoi je fais une carrière avec Schalke? Ben tout simplement parce que j'ai perdu les sauvegardes de la carrière Chouchou. Yes, je suis vraiment le mec le plus heureux du monde. C'est fou. Donc j'espère que cette carrière va vous plaire. J'ai pas choisi parce que bon, voilà, j'ai pas envie tout simplement. On va tout de suite faire les entraînements. Tac tac tac. Non, McKenny, yeah, c'est McKenny. Pardon, tu te sers d'art? Non, c'est pas ouf. Après, qu'est-ce que je prends? Tiens, toi tu vas te faire entraîner. Allez, hop, fais ton entraîner. Voilà. Bon, normalement, je crois qu'on est en Ligue des Champions. Alors, par contre, j'ai vu que j'avais un goal à 82 que je vais mettre. J'avais pas vu en plus, hein. Donc là on va juste vite faire regarder les objectifs. Alors ok, ça je vais pas faire hein. Milieu de terrain ou attaquant, ça peut faire normalement. Ça va le faire. Ok, bon, ça va ensemble. Donc là on va aller carrément tout simplement, déjà on va juste faire j'ai lu. Voilà, j'ai pas lu. Aller jusqu'au premier match du quoi. Ah oui, wow. Voilà, en premier match comme ça au pire. Ah bah tiens, les offres de transfert. C'est qui? Alors attends, j'ai quoi en doublure de Nastasic? Ouais, ça peut le faire. J'accepte les deux. Arrête de vouloir acheter des joueurs. Alors lui, c'est qui? C'est qui là, le même nom là? Ouais. Attendez, je reviens quelques secondes, genre vraiment quelques secondes, quelques secondes. Yes.
religion. C'est quoi ça? Mais c'est qui Farman? Ah si, c'est le goal, non? Ouais. J'aimerais pas le perdre, donc... T'as que je vais faire quoi? Je vais faire ça. Ok, bah les deux ils partent pas, je crois. Si, ah oui, si. Oh, bah en plus, c'est pour le plus cher. Donc, après, du coup, juste... ok, c'est le défenseur central que j'ai perdu. Alors, donc je sais qui acheter. C'est où espace? C'est bon. Lui. Ce sera bien que je l'ai, quoi. Franchement, Franck de Jong, pas négligeable. Oh. C'est qui lui encore? Arrêtez de vouloir m'acheter des joueurs. Putain, j'en ai marre. Attends, c'est qui veut m'acheter? Skoff. Ouais, non, je suis quand même le garder en doublure. Ah ouais, non, je vais très clairement le garder en doublure. Mais... tac, tac, tac. Vas-y, toi. Et toi, tu viens là, Mbolo. Mbolo Kanté. Voilà, là j'ai un meilleur banc déjà de remplaçant. C'est déjà mieux. Je préfère. Donc du coup, non. Ah, je suis désolé frère. Non. Hein. Ah. Oui, je suis monsieur propre. Hein. Ne vous posez pas de questions. S'il vous plaît. Son salaire pour avoir pour qu'il touche de l'argent. Hop là, voilà à Frankie, ça a voulu signer un Schalke. Je suis très heureux. J'ai claqué tout mon budget de transfert, mais je suis content. Voilà, c'est déjà mieux. Non, ça claque. What? What you say? Oh my god. Ça progresse bien. Alors pourquoi je fais ça? Bah juste tout simplement parce que ça permet de développer la parole. Tu vois, donc c'est mieux qu'une vieille ellipse. Je pense. Faut me dire. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Si vous pouvez faire que je fasse des coupures. Mbolo, non.
Non mais je vais pas vendre tous mes joueurs, c'est un truc de fou. Oui, pardon. Bon, j'espère gagner le premier match de la saison quand même. Hein. En plus, je me suis propre. Attendez, je reviens. Quelques secondes. Pardon, quelques secondes. Les amis, je suis désolé pour cette ellipse. Enfin, il n'y aura pas d'ellipse, mais. Oh, non, non. En fait, ils veulent m'acheter tous mes joueurs. Après, je ressemble à Socho. Putain. Mon équipe, après, elle va ressembler à quoi? C'est, je joue en bleu, ils ont cru que j'étais la France. Ah, ouais, t'y attendais pas, hein. Ha 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 ha. Moi je déconne. C'était une blague. K W tu. Est-ce que je fais bien l'ordinateur? Là, tout le monde va dire, mais parce que c'était un ordinateur. Putain. Non. Celle de 30 millions, je fais bien. Mais pas celle de 20. Désolé. 12. Scoff. Non. Tout le monde veut acheter mes meilleurs joueurs. C'est comme si moi je voulais acheter Mbappé, Neymar, Cavani, au PSG. Après, ils ont été. Donc j'ai une tête de merde. Quoi? Moi j'ai rien dit. Moi, on va dire quelque chose. Clémito qui dit ça. Ouais, tu te dis. Non, Mito. Pardon. Oui. Ok. J'espère que vous avez pas entendu. Alors c'est qui lui? Non. Mais c'est vrai, j'ai deux yons. J'ai oublié. Oh, le Werder Bremen. Un bon test pour un premier match. Hein. Une enfant premier match. Ah, mais non, la team. Ah non, c'est Wolfsburg. Ça commence bien. Alors, vraiment, on met un maillot vert contre une équipe qui joue en vert. Intelligent de faire ça. Putain, il y a 84 de Young. Wouh. Hey. C'est tout ça, c'est les meilleurs joueurs que moi. Paf. Hut, bim. Hut, salope. Hut. Yes, bah, en plein dans le. Pouf, la Lulu. Bon, on s'en fout. Je pense voici un joueur sur lequel le club compte énormément. Pour l'instant. Est-ce qu'il va redonner des couleurs à cette équipe? On devrait être fixé dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Bonjour, ici Hervé Matou en compagnie de Pierre Ménès pour cette journée de reprise en Bundesliga. Allez, ça devrait être au central et devrait y avoir des surprises. Comme toujours, j'aurais pas envie de marquer ça. Ok, rencontre va nous permettre de suivre Wolfsburg face à Schalke 04. Ouais, très bonne intervention défensive. Sur le mascara. Voilà, les joueurs retenus par l'entraîneur de Wolfsburg pour cette rencontre. C'est un système sans surprise ce qu'a choisi l'entraîneur en 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux alliés.
pas trouvé de couloir à l'instant. Et la proposition de l'ouverture du score. Et bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Et Wolfsburg a l'autre avantage. L'attaque est enrayée. Stéphane. La ville de Colette. Avec de Jong. Situation intéressante là. Ah, ouais, et qui s'est fait oublier ce que je veux. Sur l'aile. Attention, Deux qui s'avance. Deux tout seul. Encore. Oh, c'est l'interception. Comme ça a été. Et le Smali. C'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. 2-0, on va vraiment confortable. On s'approche du but. Marque out. Attention, la frappe. Oh, la première frappe. Il avait dit. C'est la première frappe. Ouais. Le club de Wolfsburg. T'as pas beaucoup d'histoire, c'est un club super récent. Un club qui a été fondé en 45, qui à l'époque s'appelait le VSK Wolfsburg. Wolfsburg. En 45, c'est très récent. Oui. Alors là, c'est récent. En 1945, je te jure, j'avais 2-3 ans. Pour le centre. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Voilà. Avec Bruxelles. Ah, il a pris le risque encore même en tentant ce tacle dans la surface, mais il a eu raison. Bien joué. Stéphane Lehner. Se fait dominer. Le Smali. C'est la seule chose que je peux dire. Allez, il peut faire un truc intéressant là. Il y a du soutien. Voilà, avec de Jong. La belle bonne colère. Chaque une belle action. Attention. Et oui, l'arrêt du chien du score. Allez, 2-1. Allez, il y a la marque désormais du 2-1. Allez, la tête, Stéphane. Attention, il y a du champ devant lui. On va voir qu'il ne se précipite pas sur le bloc. C'est un peu de temps. Oh, l'occasion. Ça passe à côté. De justesse, dommage. Il a revu. Allez, maintenant, Stéphane. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Allez. Allez, tu pousses ton ballon. Allez. Allez, mon petit. 2 minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. Stéphane Lehner. Alors. Adversaire qui rigue de ce ballon. Voilà, mi-temps, 2-1, c'est pas mal. Bon, là, pour l'instant, on va pas faire de changement. On attaque la seconde période. Il est ballon pour Schalke. Yes, bah, yes. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est l'avantage. Attention, ça peut être dangereux. Ah, il va centrer. On va se donner de l'air avec ce long dégagement. Encore un bon ballon. Ça va. C'est bien récupéré là. Ouais, ça c'est bien sur l'aile. Voilà. Marque Hutt.
Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Allez, tente sa petite passe aérienne. Oh oui, la bonne option. Il va pouvoir adresser un centre. Le centre vers ses coéquipiers. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ça fait le coup à 12-1 au tableau d'affichage. Dernière intervention, changement de possession. Jonathan Télébrox. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Le prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée dans son public. Ah, ce serait quand même triste de perdre cette match. Le couloir qui s'est ouvert pour Schalke 04. Daniel Caligiuri. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a voyé le ballon qui est sorti. La touche sera pour Schalke. Exception. Comment un mascarel. Daniel Caligiuri. Allez. Les 30 derniers mètres. Alessandro Schoen. Oh là-bas. Oh, oh non, pas de chance. Oh non, 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 non. Oh non, un manque de précision sur cette frappe. Oh, c'est vraiment pas de chance. Je pense qu'on va pouvoir passer en ultra offensif. On peut mettre deux buts. Je pense que c'est normal. Le Italien qui a fait une acquisition dernièrement, dont on a aussi parlé, qui a été confirmé d'ailleurs. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Le bordel qui va peut-être retrouver le premier. On va se faire dégager du point par le gardien. Allez, Francky. Voilà. Tu le tapes celui-là. Allez, allez. Oh allez, il se pose pas de question. Long dégagement. Tir lointain. Je ne se laissera pas surprendre par ce tir lointain. J'aurais peut-être pas dû. Merci à la Tsipka. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Camacho. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Il aura fini son échauffement. Il est prêt. Mais bon ballon. Attention la frappe. Oh, oh, elle est pas passée loin. Allez, faut retourner les cartes là les gars. Allez. Il reste 10 minutes, allez, tu sais, tu vois. Il a remis. Ah oui, il cherche à partir dans le profondeur. Ah, passe complètement manqué. C'est cadeau. Il reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Le de Jong. Il a voyé. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné le ballon directement à l'adversaire. Allez, ça doit aller au fond. Il est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant s'organiser. Il a voyé. Non. C'est pas du tout ce que je vais faire. Mal dosé, hein, ce centre qui file directement en touche de l'autre côté du terrain. Putain, une défaite pour le premier match. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Avec De Jong. Stamboli. Ouais, pas belle cette passe. Hein. C'est ouais. Cadeau. Oh, je le sais. L'arbitre vient de consulter son chronomètre. Putain, une défaite. Ouais, bah, c'est mérité. On aurait pu, hein. Mais bon, on a perdu. Oh, c'est pas grave. Ouais, puisque je suis gentil, allez, un deuxième match. Dans le prochain épisode. Bye bye tout le monde, c'était Firax, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.